quoi je suis sûr de pas avoir rêvé. Entendre ça a l'air facile, Juan.
bon, c'est fini. C'est fini, Clara. Fichons le camp d'ici. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Danny. Non, c'est pas fini. Je vais rester et poser des explosifs pour m'assurer que ces bateaux partent en fumée. Appelle quand ce sera fait, Rulio. C'est compris. Danny, j'arrive pour te récupérer. Où est-ce que t'es, Clara ? Voilà Clara. Viva Libertad, Dani. Ça, c'était du feu d'artifice. Tu dois bien l'admettre, Clara. T'as réussi. Nous avons réussi, Danny. Ça fait toute la différence. C'est quoi ton plan une fois en Amérique ? Mon ami Alejo et moi, on devait faire des petits boulots pourris pour gagner un peu d'argent. Et puis ouvrir un garage. Si le blocus américain nous a appris quelque chose, c'est à nous débrouiller, même avec rien. C'est ça ton rêve ? C'est vrai. Les Yankees te paieront peut-être pour garer leur voiture ou cueillir leurs fruits. Mais tu ne seras jamais l'un d'eux. Le rêve américain, il n'existe pas dans notre couleur. Ok. Si on critique les rêves, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes, Presidente Garcia ? Je donne pas 6 mois au prochain président avant d'être assassiné. Quoi ? C'est la vérité. Tes élections libres sont pas censées régler ça ? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste ? C'est un projet, Danny. Mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois. Cette révolution va libérer Yara, mais tout ne sera pas réglé. Quand on prendra la capitale, Yara sera en flammes. Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yaran s'entretueront pendant une génération. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment briser ça. C'est pas un rêve, en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Personne ne choisirait ça. Si, Danny. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain. Ta gueule. Non, je dis juste que tu serais canon avec un petit uniforme, un badge et un joli tablier. Arrête un peu de fantasmer, Clara.